Hello, moi c'est Davy, j'ai 26 ans et je suis directrice artistique en freelance et je lance cette chaîne pour vous parler d'un truc très sympa qui me tient énormément à cœur. Ça fait plusieurs mois que je bosse sur le lancement de ma marque de bijoux upcyclé et du coup j'ai décidé de documenter un peu tout ça parce que je trouve ça intéressant de voir un peu les backstage d'une marque, surtout dans les lancements. Alors let's go! S'il y a un petit conseil que je peux donner à toutes celles et ceux qui veulent se lancer, c'est de s'entourer de gens qui savent faire et qui sont experts dans leur domaine. Et c'est ce que j'ai fait. Pour faire les photos de ma toute première collection, j'ai fait appel à ma super et talentueuse copine Emma. D'ailleurs, je vous invite à aller checker son travail parce que c'est vraiment ouf. Du coup, je vous embarque pour le premier shooting de ma toute première collection de bijoux upcyclés. Let's go! Il est 8h30. Je vais chercher des croissants. À peu près 3 jours à faire le tri des photos parce que littéralement je l'ai trouvé, je fais que bouger, faut que je me calme, Davy, calme-toi, va s'asseoir là. J'ai mis littéralement 3 jours à faire le tri des photos parce que je l'ai trouvé toutes incroyables et en plus de ça j'ai shooté avec mon amie Emma qui fait un travail incroyable, donc comment vous dire que toutes les photos étaient incroyables. J'ai eu énormément de mal à les trier, je suis arrivée au bout de ce tri. Je lui ai envoyé ma sélection pour qu'elle les retouche. Donc là, dans le pipe, comment je parle? Je suis gênante, hein. Mais c'est parce que je suis gênée. Donc quand je suis gênante, voilà. Va falloir apprendre à vivre avec ça. Donc là, voilà. Donc j'attends les retours photos. En attendant, je taffe sur le site et je taffe aussi sur le prochain drop. Comme j'ai mis littéralement 3 mois avant de me décider à monter ce vlog, le site est bien entendu déjà en ligne. Le compte Instagram a été lancé. Je vous mets les photos du premier shooting juste ici pour que vous puissiez voir. En discutant avec Emma, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir aussi des photos pas que e-commerce sur fond blanc. Et comme on est toutes les deux originaires de Marseille, on s'est dit que ça pourrait être cool de faire un photoshoot à Marseille. Donc voilà, je vous laisse avec les backstage de ce shooting qui était mais incroyable. To say after all.
just a passing phase. Pretend I'm not here.